vidéo. Alors dans cette vidéo les gars, on va faire la vidéo. Je suis des nouveaux skins et estime leur prix sur Brawl Stars. Mais avant, tu likes, tu t'abonnes et tu commences. Et nous se dit bon visionnage. Alors les gars, nous commençons par Pharaotis. Pour son prix, ça je le sais. Hein, et il sera pas les 70 du pass ou peut-être 80 ou je sais pas quoi. Ça je sais pas, il y aura combien de paliers. J'espère qu'il y en aura plus que 70, parce que ça remet trop vite. Hein, si je dois donner une note pour ce skin, en vrai il est bien stylé, je mettrai un petit 8 sur 10. Voilà. N'hésitez pas vous aussi à le noter. Après on a Code dans le requin. Skin assez stylé. Je mettrai un bon petit 6 sur 10. J'aime bien les petits requins, ça me fait penser à Don't Squad. La teinture de cheveux, non, ça va, elle est un peu moins belle que le reste, mais en vrai, assez bon skin. Et il sera palier 0 du pass normalement. Coral Belle, le Corail Belle, je la trouve stylée, mais sans plus. En plus avec la capuche et non, je pas trop mon style, ce sera un 5 sur 10. Après c'est le fang poulpe, je trouve très très stylé. Peut-être des chaussures que j'aime pas trop, donc je mettrai un bon petit 8 sur 10. Ah oui, et d'ailleurs je vous ai pas dit le prix de Coral Belle que je pensais qu'il vaudrait. Moi je pense qu'il vaut un bon petit 80 gemmes et l'Octofang il vaut 150 gemmes. Pour moi voilà. Postal Brock, un skin très stylé, mais par contre aucun rapport avec la saison, ce qui est très très dommage. Hein. Moi les gars, je mettrai un bon petit 7 sur 10. Voilà. Et du coup il sera pour la Coupe Star, 25 000 points Star normalement. Prochain skin, DJ EMZ, un skin très très stylé. Après j'aime pas trop les skins obscurs, donc je mettrai un bon petit 8 sur 10. Et son prix, un bon petit 80 gemmes, je sais pas moi. Après ils annoncent les skins qu'on aime pas. Enfin après ça c'est mon avis, mais ils sont cool. Edgar Tata, un petit 4 sur 10 hein. La tête elle est dégueulasse, les animations elles n'apportent pas, donc ouais. Un petit 4 sur 10, c'est son prix. Moi, je le mettrais bien. En vrai, je sais que le vrai prix, c'est 150 gemmes. Mais comment tu peux mettre 150 gemmes pour cette merde? Non, mais les gars, je suis désolé. Moi, je mettrais 10 gemmes. Rep Chimie, donc Médor Chimie. En vrai, il est plus stylé que le gars. Mais. Un bon petit 3 sur 10. Non, j'ai mis 4 sur 10. Un bon petit 5 sur 10. Et comme prix, je mettrai un bon petit 50 gemmes parce qu'il est déjà plus stylé que Edgar. Billy RG, 1 sur 10. Ouais, je pense qu'elle mérite. Avec sa tête de mouton, dégueulasse, sa batte, dégueulasse. Non mais ça va perdre les nouveaux joueurs, hein. Ils vont tomber sur ça, ils vont se dire c'est quel brawler, c'est quel brawler, il est moche. Ouais, et son prix, je mettrai un bon petit 50 gemmes. Ah, moi je suis comme ça les gars. Bon après, Sandy Koya, très très stylé. Un bon petit 8 sur 10 parce que les koalas sont paresseux, Emery est paresseux. Et quoi là, sont fatigués, Emery est fatigué. Donc, et son prix, un bon petit 150 gemmes.
pas mettre 300 non plus. Jackie Cookie. Ça donne fort ce truc. J'aime très très bien. Un bon petit 7 sur 10. Pour son prix, 80 gemmes. J'avoue, la Jackie et la Emery, c'est deux skins line que j'aime bien de cette mage. Boulement dégueulasse, 2 sur 10. C'est moche. Le fusil, on en parle ou pas? Hein? Attends, mais les gars, attends, il y a un sous-marin. C'est toute la tête de boule. Ouais, j'aime pas. T'es mal fusil, il est moche. Ouais, et son prix, 50 gemmes. 50 gemmes, 30 gemmes. Ça c'est que des... C'est approximatif. Hein. Enfin, c'est que des théories pour le prix, mais pour ma note, moi c'est défini. Le Dick Shuki, 3 sur 10. Il est marron, il est dégueulasse. Il s'est roulé dans de la merde. Bon, est-ce qu'il y avait d'autres skins de la mise à jour? Est-ce qu'on note les emotes? Ah, attends. Il y avait peut-être le... Ah oui, il y avait le beau roi des barbares. On va quand même le noter. Il y a... Bon, roi des barbares, j'aime très bien. Je mettrai un bon petit 6 sur 10. Mais barbare, c'est pas trop mon truc. Et vu qu'il sera gratuit, bah il sera gratuit. Bon, les gars, merci de regarder cette vidéo. Moi, je vous dis, c'était Tiskin. Allez, ciao!